Bonjour à toutes et à tous, mes amis. J'espère que vous vous portez bien, que vous profitez de ce beau week-end. Rien qu'à nous, nous le méritons tous et toutes. Ne vous inquiétez pas si la lumière part, revient. C'est normal. Enfin, moi, je ne sais pas si c'est normal, mais on va faire avec. On va pas chipoter. C'est la cinquième fois que je fais cette vidéo en espérant que ça sera la dernière. Croisons les doigts. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, mes amis, pour les guidances, pour la guidance du 18 au 24, 24 avril 2022. Allez, c'est parti, mes amis, sans plus attendre, je vais baisser la caméra pour que vous puissiez voir les différents tirages que je vous propose et je vous dis à tout à l'heure. Allez, c'est parti, mes belles âmes. Je voulais vous remercier, hein, vraiment pour tous les dons que vous avez faits pour les sans-abri, hein, c'est ma cause, c'est la cause que je défends actuellement. Il y en aura d'autres, hein, vous inquiétez pas. Je vais vous solliciter, hein, mes amis, hein, l'union fait la force, c'est ma devise, hein, et je compte bien l'appliquer. Donc, allez, c'est parti. On va commencer. Bah, écoutez, on va commencer avec l'oracle du Bélin pour voir l'énergie, on va dire, dans quel état. Non, pas dans quel état. Je vous sollicite, mes anges. Dans quelle énergie nous allons évoluer durant toute cette semaine? Quelle énergie arrive vers nous? Quelles sont les opportunités ou alors les mises en garde? Alors, c'est parti. Je demande trois cartes, s'il vous plaît. Je demande quatre. Trois cartes. Alors, ils m'en ont donné quatre. Trois. Trois, de grâce, trois. Alors, j'espère que vous vous portez bien. Je voulais remercier Dali, qui est une âme sœur. Voilà. Dali qui m'a offert un super bel oracle que je vous ferai découvrir pour les guidances du mois de mai. Voilà, je voulais remercier Dali. Merci Dali, ma belle. T'es un ange. T'es mon ange gardien de toute façon. Regardez la destinée. Nous sommes sur notre chemin de vie. Si vous avez des soucis, des problèmes, des blocages, vous allez trouver la solution. La solution pour un changement. De toute façon, on le sent là, ces derniers temps. En plus, avec la pleine lune, ce soir, nous sommes le samedi 16 avril. Normalement, je ne travaille pas. Mais là, en plus, il y a de l'abondance. Et ben là, j'ai dit oui. Oui, je travaille. Quoi, je travaille? Oui, je travaille. Bien sûr que je travaille. C'est un travail. Donc, nous en sommes où? On va voir le dodo deck. Campagne santé, on vous demande de vous reposer, de vous détendre, de prendre, d'écouter votre corps. Parce que je pense que là, c'est peut-être latent pour nous tous, mes amis. C'est ce que je ressens, alors je vous l'envoie. Ça fait depuis une semaine là que ben, ça remue dans tous les sens. Alors, il y a des personnes qui savent plus où ils en sont. Ils sont un peu perdus parce que tout est contradictoire, controversé. Et puis d'autres qui sont en plein éveil. Ils savent, vous savez, il y a certains d'entre vous, certaines personnes d'entre vous, qui sentent ce changement. Il y a quelque chose qui va arriver, mais quoi? On ne sait pas. Mais c'est un changement positif. Alors, vous allez devoir prendre une décision sur une proposition, une opportunité. Mais dites-vous, c'est la clé de votre réussite. C'est une forme de libération qui va provoquer un changement attendu. Un changement attendu concernant les finances. Eh bien, c'est beau! C'est beau! Alors, peut-être qu'il y a des personnes qui cherchaient du travail, ils vont en trouver. Des personnes qui sollicitaient. Qui sollicitent actuellement des banques pour des prêts, ça arrive, pour pouvoir créer ce changement,
Acter ce changement, acheter une maison, acheter une nouvelle voiture, peu importe, acheter un commerce, acquérir un bien qui vous fait progresser. C'est OK. C'est OK. Yes, je vous les mets là. Là et là. OK? Puis ça, on va les mettre un peu plus loin, c'est pas grave. Ils sont là, on le sait. Ils nous protègent, ils nous envoient plein de belles énergies, mes amis. Puis ma petite main de Fatma, de ma petite mamounette, que j'adore. C'était son anniversaire hier, en plus. Un petit bélier, têtu et buté. Mais quel beau bélier, quoi. Quelle belle, ça se dit pas, mais quel bel bélier. Donc, eh ben écoutez, nous allons voir avec l'oracle des miroirs. Pour voir en général, hein, en général les énergies. Alors, n'oubliez pas que ça reste un tirage général. Prenez uniquement ce qui vibre. Hein. Je fais confiance à votre discernement et à vos responsabilités, mes amis. Ne prenez pas vraiment au premier degré. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Mais il peut avoir ne serait-ce qu'un tout petit message. Ou alors tout vous parle. Ça serait chouette. Hein. On parle d'amis, de liens, du relationnel, des personnes de votre entourage. Il y a une personne en particulier, ou là, ça c'est vous. Vous êtes protégés. Vous êtes protégés, mes amis. Oula, on parle d'un homme. C'est un homme autour de vous. Une énergie masculine. Alors, ça peut être une femme avec beaucoup un caractère yang qui entreprend, qui prend des initiatives, qui acte, qui va au combat, qui va sur le terrain et qui acte des choses. Ou alors, c'est un homme de votre entourage proche. Vous êtes bénis, hein. Vous êtes bénis, mes amis. Vous, pourquoi vous? Nous! Moi aussi, je suis dedans. Ah, j'espère que vous passez de bons moments. Oui. Il y a des personnes qui ont besoin de se retrouver seules, de s'isoler pour pouvoir vraiment réfléchir à une situation ou à une relation. Je préfère les mettre toutes, comme ça je saurai. Parce que carte par carte, c'est pas de la guidance. En tout cas pour moi. Allez, quelques cartes. Quatre, ça serait chou. Ça serait chou, mes anges. Quatre. Retard, là. La carte qui fâche. Vous vous impatientez, j'entends. Il y a un homme là qui s'impatiente. Parce qu'il veut être dans l'action, mais il y a quelque chose qui bloque, peut-être des finances, pour créer ce changement. Il y a peut-être des personnes qui vont être amenées aussi à effectuer une tâche à responsabilité. C'est ce que j'entends, donc je vous l'envoie. Ce que je ressens aussi, c'est qu'il y a des personnes qui vont, au niveau statut professionnel, ils vont monter d'un grade. Ou de deux. Je vous l'espère. Je l'espère pour vous, je vous l'espère. C'est même pas français. Oh. Ouais, quelqu'un du passé ou un membre de votre famille. C'est peut-être cette personne, hein, qui a un souci, qui son souci finalement à cette personne, c'était l'attente d'énergie financière. Bon, personne du passé. Oula, il y a de l'amour, il y a de l'amour. J'ai envie de vous dire, on peut être amoureux, quoi, amoureux. On peut avoir beaucoup d'amour pour sa maman, pour son frère, sa sœur, un ami, une amie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Il y a des personnes là qui attendent un héritage et ils se sentent exclus. Mais vous attirez à vous. Attention à ce que vous attirez, j'entends. Ne stressez pas, restez calme, ça arrive. Plus vous allez être dans le stress et dans l'attente et pas dans la patience, plus vous allez bloquer ces énergies qui arrivent vers vous.
Ayez foi, ayez confiance, mes amis. Regardez. C'est déstabilisant, bien sûr. Quand on fête une victoire, quand on fête enfin une approbation, eh ben on est déstabilisé émotionnellement. On est tout feu, tout flamme, on ne sait plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez enfin concrétiser votre projet, ce dont vous avez vraiment... ce qui vous tourloupine actuellement et que vous employez beaucoup d'énergie pour se faire. Donc, il y a une situation dont vous êtes séparés ou une relation. Et là, ça revient. Donc, ça crée des émotions, mais c'est relativement positif, mes amis. Vous allez être un peu déstabilisés. C'est chouette, quelque part. Moi, j'ai envie de dire, c'est bien. Le fait de maîtriser, de tout maîtriser, c'est fatigant, c'est éreintant, c'est usant. Le fait d'avoir des surprises comme ça, c'est jouissif, tout simplement. Donc là, il y a votre âme d'enfant, votre enfant intérieur qui va s'exprimer. Et forcément, ça va vous laisser baba. Et tant mieux, il y a quelque chose qui arrive vers vous qui est extraordinaire, magnifique. Et regardez, vous allez retrouver votre calme, votre paix. Vous allez être en alignement avec vous, avec ce dont vous avez envie et besoin. Il y a une belle évolution. Regardez, il n'y a que des belles cartes. Vous projetez hein, pour ce changement. Hein, vous réfléchissez. Ne vous prenez pas la tête. Tout est juste, mes amis. Vous êtes quittés. N'oubliez pas, vous êtes quittés. Écoutez-vous. Ressentez les choses, prenez le temps de vous isoler dans un endroit qui vous convient le mieux, qui vous rende, qui vous met dans cette situation très calme, ça vous calme, ça vous apaise. Peut-être en écoutant de la musique, en tricotant, en peignant, en lisant, en jouant aussi avec les enfants. Vous savez, mes amis, j'ai envie de vous dire une chose, c'est vrai. Le meilleur moment, le meilleur moyen de rester dans l'instant présent, c'est de trouver, moi ça m'a énormément fait du bien, maintenant je sais où aller, c'est d'être entouré d'enfants. Maintenant, si on n'a pas d'enfants autour de nous, on va aller le chercher. Donc moi j'ai été vers une cour de récréation et j'ai regardé les enfants et j'étais tellement absorbée par leur comportement, ça m'a appris énormément de choses. Eux ils vivent dans l'instant présent, ils ne se soucient pas si ça plaît ou pas, ce qu'ils font, est-ce que c'est bien ou pas, non, ils jouent point barre. Avec qui? On s'en fiche du moment qu'on joue ensemble. Vous voyez l'idée? Et ça m'a vraiment aidée. Donc, voilà une astuce. Ben, parfait. Nous allons voir. Moi et mes conseils. Je vous donne des petits conseils comme ça. Que j'expérimente et qui m'apportent. C'est constructif. Nous allons voir ensuite avec l'oracle G que j'ai mélangé avec le manuscrit. On va voir si ça nous donne d'autres informations sur la situation, la relation actuelle. Ou alors, ça nous donne vraiment, ça nous raconte une autre histoire. Allez, pour nos amis qui regardent cette vidéo, est-ce que j'attends qu'ils sautent ou je vais les chercher? Bonheur, épanouissement, bonheur, joie. Waouh! Et on dit, on va te les passer, d'accord, parce que Eureka, il y a une idée, ça y est, on a trouvé la porte de sortie et même les clés qui vont avec. Youpi! Vous allez avoir cette clairvoyance. Vous allez y voir clair. Ah! Vous allez y voir clair par rapport à cette relation, cette situation. Il y a une séparation où vous êtes éloigné, où il y a une cassure, une brisure, un froid. On a une idée pour un projet en campagne, peut-être un terrain à acheter, peut-être un projet de bien-être. Vous voyez, chambre d'hôte ou alors acheter une structure afin d'accueillir des personnes et faire des stages. Je sais pas, j'entends, donc je vous le dis. Vous allez avoir beaucoup de bonheur par rapport aux doutes.
aux doutes que vous avez, qui n'arrête pas de... Vous voyez cet hamster-là qui est dans sa roue. Et bien là, on voit que vous doutez, vous avez un peu... Vous devez faire un choix par rapport à ce qui vous a séparé d'une situation, cette cassure, cette situation, cette relation. Mais vous allez être éclairé, ça va vous mettre en joie par rapport aux doutes et aux soucis. Hein. Besoin de repos encore pour certains et certaines. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines le fait de ne pas pouvoir... Vous n'avez pas pu vous octroyer des moments de vacances dans un lieu qui vous sied le mieux, hein, un endroit idyllique, peut-être un week-end en campagne ou une semaine ou des quelques jours en campagne dans un lieu où il y a beaucoup de nature. Ça vous apaise. Quelque chose qui vous apaise. Quoi, un endroit qui vous apaise aussi. Ah, il y a le choix, hein. Il y a le doute, il y a le choix. On n'y va pas. Parce qu'il y a un retour. Hein. Il y a un retour. Hein. Non. Pour d'autres, c'est vous êtes joyeux le fait de vous être séparé d'une relation, d'une situation, quelque chose ou quelqu'un qui n'était plus fait pour vos énergies actuelles. Vous avez grandi, vous avez vu clair sur vraiment vos désirs profonds. Et vous ne lâchez rien, vous ne lâchez rien. N'écoutez pas votre l'extérieur. Hein. Il n'y a que vous qui avez la réponse, mes amis. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment de bien conscientiser les choses. Oui, par rapport à un froid, il y a eu un froid, il y a eu un éloignement, il n'y a plus de communication. Ou peut-être que vous doutez, vous êtes un peu tracassé des soucis depuis cet hiver. Mais bon, le printemps, c'est un renouveau, c'est du nouveau. Donc, vous avez grandi durant cet hiver. Par rapport à une administration, un immeuble, peut-être par rapport, vous avez peut-être quitté le foyer. Peut-être avez-vous quitté le foyer ou alors vous avez quitté une entreprise cet hiver. Ouais. Par rapport à des non-dits, des choses que vous ne savez pas encore. Il y a une séparation, mais il y a beaucoup de secrets. Pas clair, mais ça va l'être hein, pour vous, n'oubliez pas mes amis. Vous vous méfiez, bah oui, s'il y a eu un froid, une distance et puis que ça s'est mal passé, je ne doute pas de votre méfiance qui est légitime mes amis, forcément. Regardez, il y a l'import-export, il y a un partage là, il y a une communication, il y a quelque chose entre un homme et une femme. Une communication, un échange, j'entends. Entre un homme et une femme. Regardez-moi ça, il y a l'abondance qui arrive et la réussite. Vous allez réussir. Hein. Vous allez réussir, mes amis. Mais vous avez vraiment laissé des plumes. Vous avez vraiment laissé des choses derrière vous. C'est comme un manque, une perte. Mais d'un autre côté, c'est pour un mieux pour vous. Donc, on voit que ces échanges vont être très fructueux et vous allez avoir la chance, mes amis, et la réussite. Si vous cherchez un logement, si vous voulez acheter un bien immobilier, ou alors vous allez postuler dans une grande entreprise, peut-être internationale, c'est OK. C'est OK si vous voulez acquérir un bien, je l'ai dit. Si c'est pour demander... de l'argent, quoi, demander un prêt et que vous attendiez soucieux, soucieuse, si c'est ok ou pas, oui, on vous dit oui. Mais n'oubliez pas, ne restez pas dans votre coin, ne doutez pas un seul instant, communiquez, communiquez. C'est normal que vous soyez méfiant, mais il n'y a rien à craindre, il n'y a rien à craindre. Ouais, vous avez laissé des plumes, hein, ça vous a vraiment...
Il y a l'équilibre qui arrive lentement mais sûrement. Mais vous avez eu beaucoup de blessures, hein. Il y a eu beaucoup de dualités, de conflits, de cassures, de brisures. Vous restez méfiant. Concernant aussi l'argent, hein, c'est un problème d'argent. Peut-être que vous n'avez pas été payé à la hauteur de vos capacités. Ou alors on vous a caché des choses. Ou alors on ne vous a pas rendu l'argent que vous avez prêté. C'est une question de finances. On vous dit épargner. Maintenant, vous avez appris. Là, c'est ce que j'entends. Épargner. Gérer mieux votre argent, c'est ce que vous allez faire. On va pas vous la faire deux fois, celle-là. Vous allez gérer votre argent comme un comptable, une comptable. Et c'est ce qu'on vous invite à faire. Parce qu'il y aura de grands changements pour vous. Vous allez vraiment évoluer dans le domaine qui vous affecte le plus. Y a bien des achats, hein, par rapport à une union, mais je vois que c'est loin. C'est loin de chez vous. Il y a un grand changement pour vous, c'est ce que j'entends. Peut-être des vacances sous les tropiques, mais en attendant, moi, ce que je reçois, c'est que vous allez être vraiment investi sur votre nouvelle vie. Là, c'est vraiment une nouvelle vie. Vous voyez, il y a une union qui s'est brisée. Il y a une union de toute façon qui se brise, c'est sûr. Mais après cette union, cette séparation, il y a une nouvelle vie qui vous attend. Et regardez la réussite pour vous, madame. Vous allez enfin célébrer par rapport à une nouvelle qui va venir d'un homme et c'est protégé. Il y a un renouveau pour vous. Même si cet homme est un peu, on va dire, puéril. Mais vous saurez, mes amis, vous saurez. Vous êtes très intuitif. Il y aura des messages pour vous. Il y aura un équilibre. Et si on peut parler aussi de justice, si vous attendez un acte notarial ou alors une décision de justice, c'est OK pour vous. Vous allez en avoir des nouvelles. Vous allez recevoir l'abondance que vous méritez. Mais ça vous a rendu malade, ça vous stresse, mais on vous dit arrêtez de vous ronger pour rien parce que les choses arrivent peut-être inopinément. Gardez, soyez courageux, courageuse, parce que tout votre passé va s'arrêter, tout ce qui vous tourloupinait, c'est terminé. C'est un cadeau de la vie. Vous allez enfin pouvoir vous éloigner de là. On va arrêter parce que là, je vais terminer les deux oracles, mes amis. Tout ça pour vous dire, ne vous inquiétez pas. C'est votre mental qui vous joue des tours. C'est normal, vous avez été vraiment éreinté, éclaboussé. Vous avez été blessé. Et on vous dit que c'était injuste. Oui, c'était injuste. Mais c'était nécessaire pour vous faire comprendre qu'il y a autre chose après et cette chose-là arrive. Même si vous en doutez. Nous allons voir maintenant avec les vibrations du cœur de Nathalie Bourillon au niveau sentimental, relationnel. On parlait d'échange, de communication. N'oubliez pas, vous allez trouver la solution pour un grand changement et vous allez avoir les finances nécessaires, hein, les outils. Ouais, blocage. Ben oui, vous êtes complètement déstabilisé parce que rien n'avance. Vous êtes impatient, impatiente, mais j'ai envie de vous dire, regardez 1 et 4, regardez 4, 4 et 0, c'est pour une construction solide, avec des fondations extrêmement ancrées, et on repart à zéro. Mais d'abord, il faut acter cette stabilisation. Et là, on parle. 1 et 4, on recommence. C'est du renouveau pour reconstruire sur des bases solides. Pour un changement aussi, le 1 et le 4. Si on peut faire un peu de numérologie.
La lumière arrive vers vous, mes amis, là en ce moment, printemps-été, mais entre le 15 et le 30, on vous dit. Ouais, blocage par rapport aux souffrances, des peurs, des craintes, parce que vous avez souffert, ben oui. Mais regardez, vous allez être récompensé, mes amis. Vous allez avoir une communication entre le 15 et le 30. Donc 15-30, ça peut être là, là, au mois d'avril, entre le 15 et le 30. Vous allez avoir une communication qui va tout changer. Pour vous. Et vous n'y croyez pas en ce moment. Et pourtant, vous attendez, hein. Et on vous dit, hein, arrêtez d'attendre. Espérez, mais n'attendez pas. Occupez-vous. Avancez. Faites du tri. Je ne sais pas, faites des démarches administratives. Deux cartes de grâce. Vous la montre. Hein. Voilà. La clé, elle est encore là. Donc, la solution, elle va être trouvée. Et du 1 au 15, eh bien, écoutez, du 1 au 15, bon, ça ne peut pas être. À moins qu'il y ait des personnes, c'est déjà fait. Mais ça m'étonnerait. Que d'autres s'en plaignent, ça arrive. Vous êtes en plein dedans. Il y a des attaques. Hein. Il y a de la jalousie autour de vous par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Ouais, vous avez des doutes, vous avez des choix à faire. Hein. Mais vous savez, mes amis. Vous sentez. Par rapport à un rapprochement, par rapport à un lien, un engagement, un partenariat, une association. Mais vous allez trouver, hein. Qui est protégé, on l'avait vu tout à l'heure, hein. Là, pour l'instant, vous êtes dans des basses énergies. Il faut remonter votre taux vibratoire pour justement savoir attraper les opportunités que l'univers vous envoie. N'oubliez pas que l'univers a des hautes vibrations. Essayez de maintenir une haute vibration. Ayez cette foi. Voilà, moi j'ai arrêté là parce que là il y a une récompense et c'est mérité et c'est normal puisque par rapport aux autres tirages, c'est un peu la même finalité. Il y a toujours une récompense, il y a toujours quelque chose qui va vous réussir. Vous allez trouver cette solution, ça va vous libérer, ça va vous libérer des souffrances. Il y a des personnes qui vont communiquer et c'est de par cette communication que tout va changer. Il suffit simplement d'exprimer ce dont vous avez envie et d'exprimer vos propres vérités, mes amis. Nous allons terminer avec trois cartes du grand oracle de l'amour. On ne nous a pas trop parlé, c'était. Il y a eu beaucoup de. Il y a un regain, on m'a dit montre-la, donc je la montre. Il y a un regain. On voit que c'est désert, c'est stérile. Hein, il n'y a rien. Il y a des blessures. Il y a que de la nostalgie, mais c'est amer. Et si, il y a un renouveau. Allez, pour nos amis qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, trois cartes, je demande. Merci. Ouh, la crise. Oui, vous étiez en pleine. Ouh, là-bas, il y en a quatre. OK. Puissance. On vous demande beaucoup de force, de courage. Vraiment, vous allez acquérir ce courage. L'univers est là pour vous aider. Vous avez été comme ça, c'est terminé. Ça, c'est le passé, passé proche. Là, vous allez vous ancrer vraiment et être déterminé sur le chemin à prendre pour vous libérer d'une situation, d'une relation toxique. Et ça passe par quoi? Par la communication, même si pour vous, cette crise, c'est illusoire, on vous dit. Tout est dans la communication. On sait, on comprend. On ne sait pas, on ne comprend pas. Une dernière pour voir la résultante, s'il vous plaît. Oui, il y a un départ, je sais, on l'a vu. Mais la résultante, une seule, merci. Ah, coup de foudre. Et harmonie.
Oui, il y a des personnes là qui vont être. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont eu une relation qui s'est terminée et qui étaient un peu déstabilisées dans la souffrance, dans la tristesse. Là, on vous dit de vous ancrer pour vous libérer de cet état d'esprit afin de pouvoir communiquer, ne serait-ce qu'avec vous-même ou même avec la personne qui vous a blessé pour essayer de comprendre. Là, j'entends avec vous-même. Ce que vous avez pris comme une illusion ne l'est pas. C'était une nécessité. Parce que là, ce qui vous attend, l'angelot va pointer, pointe pour tirer. D'où cette déstabilisation émotionnelle. Vous allez faire, peut-être, il y a des personnes qui ont quitté une relation, mais je sens que ça revient pour certains. Après une communication claire et précise, tout en authenticité et vérité. Et là, il y a une rencontre, il y a une rencontre physique, et il y a une harmonie retrouvée. Pour les personnes célibataires, vous étiez encore avec cette relation qui vous a vraiment blessé, qui vous a anéanti. Il suffit simplement d'un peu de temps pour vous ancrer, pour savoir vraiment ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, pour enfin vous libérer de cet état d'esprit. Communiquez. Vous allez rencontrer une personne. Le mieux, c'est de communiquer. De communiquer avec cette personne. J'ai envie de vous dire, mes amis, au moins quand on a la notice, on ne perd pas de temps. Quand on sait qui est l'autre, on perd moins de temps. Donc, autant y aller franco et de libérer vos vérités. En dododec. Voilà. Voilà. Waouh, magnifique. Ah oui. Moi, je suis curieuse, hein. Regardez, il y aura de la chance pour vous. Il y aura beaucoup de sensualité. Soyez souple. Soyez plus souple. Ne soyez pas rigide. Hein, ne soyez pas réfractaire. Ouvrez-vous à l'amour. C'est ce que vous avez demandé, vous l'avez. Alors, ne vous renfermez pas. Au contraire, libérez-vous et montrez-vous sur votre vrai jour. Et apprenez de vos leçons. N'oubliez pas, mes amis, apprenez de vos leçons. Allez, une dernière carte des anges. Non, du phénix. Quel conseil? Mon chéri, l'oracle du phénix, ça faisait longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Qu'est-ce que je l'adore, il est magique, magnifique. Allez, une carte conseil. Oh, une. Je demande une ou deux, allez, deux. Merde. Deux retournées, celle-là de côté. Je la garde, parce que moi je prends tout. Hein. Vos interrogations sont fondées. C'est une bonne chose pour vous, n'en doutez pas, c'était nécessaire. C'est nécessaire ce qui vous arrive, c'est ce que je vous disais. Lâchez prise dans l'instant. On vous dit, hein, n'oubliez pas les enfants. N'oubliez pas l'histoire des enfants, je ne vous appelle pas mes enfants. J'en ai. Ça me suffit. Donc, laissez arriver les choses vers vous. Plus vous allez ruminer, plus les choses vont être retardées. Ok? Voilà. Vous avez besoin de repos. Il y a une déception. Ne restez pas avec ça. Ça va changer. N'oubliez pas, mes amis, vous allez être libérés. Vous allez prendre une décision pour certains et certaines. Vous attendez une réponse, la réponse arrive. Pour une mutation, une transformation, un déménagement, un changement, un nouveau cycle, un nouveau départ. Et il y a de l'abondance. Il n'y a pas que l'argent. L'abondance, c'est général. L'abondance en amour, si vous attendez l'amour, n'oubliez pas, mes amis, de faire du ménage autour de vous. L'univers, si vous attendez un changement, faites du ménage autour de vous, hein, au niveau relationnel, au niveau de vos affaires, vos papiers. Et il y a l'abondance qui arrive. Laissez la place à cette nouveauté qui arrive vers vous. Permettez-lui de s'installer chez vous. Voilà, mes amis. Bah, écoutez, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Ah, c'est toujours un honneur. Attendez, excusez-moi, parce que moi aussi.
Fifi, recoupe-moi. Je vais essayer comme ça. Excusez-moi. Ça y est, c'est bon. J'ai mis ma petite lumière. Bon, je vais plus avancer, c'est pas grave. Vous me verrez de près comme ça. Voilà. Super! Voilà, mes amis. Eh bien, écoutez, passez une bonne, super semaine. Ayez foi en la vie. Ayez foi en vous. Hein, vous avez déjà dépassé des situations qui vous paraissaient insurmontables. Et là, il y a le grand changement qui arrive. Ne le repoussez pas, ne le rejetez pas, n'en ayez pas peur. Bien au contraire, accueillez-le. Hein. Soyez ouvert à cette nouveauté qui arrive. À très bientôt. Et n'oubliez pas, hein, je compte sur vous pour liker, m'écrire, il n'y a aucun souci, je réponds. Bon. Pas textuellement, mais je réponds par un pouce, un cœur, mais je vous lis tous et toutes. Il n'y a aucun souci pour moi. Et puis merci pour tous les dons que vous faites, mes abonnés, pour ces sans-abri. Hein, j'y compte vraiment. Pour moi, c'est important que les sans-abri, pour cet hiver, ils aient de quoi se chauffer, hein, être un peu au chaud. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir, mes amis. Bye bye.